conscience remplit la glotte. En somme, on flotte dans le vice comme un mégot dans les chiottes. Ok. Ah madame, voilà. Oh non, non. Vous êtes gentil, mais vous avez un permis jusqu'à 15h. Oh, ben, le soir des transhumances, on était sur scène et il y a la vieille qui arrive comme ça par derrière et qui fait « Oh les jeunes, oh les jeunes, qu'est-ce que je fais ?» Je m'approche, j'essaye de voir ce qui se passe. Elle me fait « Ouais, il est déjà 2h30, normalement les soirées ça se termine à 2h. » Donc là vous arrêtez tout et nous on commençait, enfin on était dans plein concert, donc j'ai fait bah écoutez, nous on n'est pas les organisateurs, donc faut aller voir les organisateurs pour voir ça. Elle me fait mais moi je veux pas savoir, je veux dormir, donc je fais bah allez, bonne nuit, hein, allez-y. Et puis là je me retourne et je commence à voir un spot qui s'éteint, le deuxième qui s'éteint, et là la table bouffe, tout s'éteint quoi, sur scène on est là, on se retrouve avec plus rien du tout comme des cons, dégoûté quoi, mais qu'est-ce que tu veux. Moi par contre je suis pas content parce que je suis allé voir mon copain là, il est où? Viens là mon copain. Là tu vois, il y a le copain là, il faisait un concert. Et mamie là, elle vient et débranche le concert. Comment on fait? Comment on fait? Moi je l'accroche à la boule de la caisse, je la traîne sur 500 mètres là mamie. Comment on fait? Moi j'en ai rien à foutre, j'ai pas d'état d'âme. Comment on fait? Moi je la laisse sur le carrelage. Eh oui. Comment on fait? Comment on fait là mon cousin? Vous avez vu au moins la mamie? Mais bien sûr qu'on l'a vu la mamie. Et pourquoi vous l'avez pas chopée? Je suis allé chez elle, j'ai vidé son appartement celle-là, qu'est-ce qu'il croyait? Moi je l'ai ramené à la tête. Comment on fait? On n'est pas chez les fous. Comment on fait? Hein? Par contre, ça l'a débranché. Et l'ordinateur était allumé. Tu sais combien ça coûte un ordinateur? T'es malade, toi. C'est mémé. C'est une mamie. Et comment on fait? Comment on fait? Dis-le, c'est ta mère, elle venait te chercher, toi. Comment on fait? Oh, là, il y a dossier. Attention, toi, derrière ta caméra, parce que aussi, on va te traîner sur 500 mètres. Reportage, quoi. PPP TV. Ouais, la vieille. Et la vieille. Ouh, là, on s'est fait boycotter. On s'est fait boycotter. Ah, c'est le premier concert où on se fait boycotter comme ça, quoi. D'habitude ça se passe tranquille et tout le monde kiffe. Là non, il y a fallu qu'il y ait la vieille qui arrive et qui débranche tout. De toute façon, Danaki vous l'a déjà expliqué, hein. Ils aiment pas trop le rap ici. Bah la vieille franchement, c'est abusé. La vieille elle est rentrée alors qu'il y avait deux videurs sur place. Ils l'ont laissé pénétrer tellement elle était folle furieuse la nana. En plus elle a tout débranché. Et moi ce que je tiens à dire c'est qu'elle a même pas payé son entrée. Si c'est pas de l'arnaque ce truc là. Il y en a, ils travaillent dans... Ils font pas que de la musique, ce que je veux dire quoi. Ils ont un métier. Ouais, normal. Parce que la musique, avec les téléchargements, ça va plus. Ouais.